C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy. Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer. Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier, mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy, c'est toi le gros et toi le petit. C'est moi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Oh, c'est pour moi. Oh, oh. Hey, toi, si tu t'échappes, tu vas voir, tu vas pas. Ouais, ouais. Oh non, tu vas te calmer. Moi, je suis suffisamment énervé. Je vais te faire ton compte en banque. Tu comprends? Quoi? Moi, je m'en fous de la porte. Je vais t'en apporter la porte, moi. Tu regardes. Monsieur Hardy! Monsieur Laurel! Regarde. Oh! Oli! Oli! Mais je te j'arrive. Oui, 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 oui. Vous avez soif, peut-être? Ah oui. Un gardien, ça a toujours soif. Elle va venir, on va prendre avec. Allez, entre, après. Stan, amène la vaisselle pour qu'on boive un coup. Tiens, ça, allez. Ça doit être pour toi, ça. Parce que moi, je n'attends pas de facture. Allez, venez, mon brave, on va boire un coup à la santé de ceux qui nous regardent. Un bon petit coup, alors, hein? C'est quoi ça? C'est le fou Orly qui veut nous arracher les dents, il va revenir aujourd'hui! Ah, le menteur, tu viens, le menteur! Il faut pas rester là alors! Parce qu'il est capable de se tromper de client! Bon, vous inquiétez pas les gars, Ouais. C'est l'homme de la situation! Non! Il arrive, je m'occupe de lui, pépère, peinard! Okay. Il va nous arracher tout! Et s'il arrache trop de dents, on va les mettre dans les ordures! C'est moi qui va lui arracher les dents aussi! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ne vous inquiétez pas, je suis l'homme de la situation, ok? Je gère tout. T'entends ce qu'il dit, le monsieur? Ça, au moins, c'est quelqu'un d'efficace. Voilà, on m'appelle efficace. Qu'est-ce que l'on fait de ça? Il vient quand demain? Aujourd'hui, oui! Bon, vous inquiétez pas, j'ai un plan. Il vient aujourd'hui. J'ai un plan. Montalgo, tu m'attends dans ma loge, tu te caches, ok? Oui, on va aller descendre. Ouais, débile. Tiens, dans la chambre, ok? Regarde ce que l'on fait, déjà. Et moi, je le chope à l'entrée, ok? Ouais. Tu vas pas être prêt? Ok, mais on se retrouve. Je vais lui montrer ce qu'il fout ici. C'est moi le fou. On verra ça après. Parce que moi, la loge, qu'est-ce que j'y fais, moi? Va pas te cacher, toi. Je t'ai assez vu. À demain, hein. Je vais dans la loge. On va là, mais t'inquiète. Ah, moi, je vais m'en occuper de ça. Dans la loge. Il est fou, ce gars. Dans la loge. Mais c'est pas la fête ici, hein? Bon, j'ai des nouveaux, faut que j'y aille, j'ai un petit boulot. Ah, voilà, j'ai une petite dent à vous remettre, à vous arracher. Ah, attendez, ne courez pas, dis-moi, j'arrive, j'ai votre dent qui est mal. Attends. Ça va, je suis là. Oh, je vais éclater là, c'est chaud là. Ouh. Oh, petit con, je t'entends là. Oh, tu vas prendre cher, mon petit con, hein? Là, tu vas la prendre, la pote. Tu vas voulu faire le métier. Oh putain! Oh putain, je vais te monter! Oh non, 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 non! Oh putain, merde! Oh vache! Je vais te niquer! Bonsoir, Tijan! Ah! Vous êtes où, monsieur Laurel? Ah!
Ah, vous voilà, vous. J'ai une dent à vous arracher. Ah, bonjour, maintenant. On peut pas être tranquille un peu? Oh, putain. Mais doucement, vieille canaille! Taisez-vous, j'ai dit! C'est pas possible! Est-ce que je vous couvre? Oh, reste allongé, je vais chercher mes outils. Oh, le connard! Non, il n'y a pas de connard, c'est au putain, si vous voulez! Oh, ça saute, je rends le marteau! Oh! Ah, ta mère! Attendez, je vois rien! Oh, il faut que. Hé, Stanley, enfouis-toi! Stanley, tu vas m'écouter, enfouis-toi, il est fou ce mec! Il est fou, va-t'en! Ah, j'ai mal, boss! J'ai mal! Oh, il va te foutre dedans! Mais je peux plus! D'abord, qu'est-ce que je fais à allonger, moi? Oh bah merde, je crois que j'ai assommé votre gardien avec ma cloche! C'est intelligent ça! Ah oh bah je sais pas! Oh putain! Qui c'est qui va? Ah bah oui! Ça va, c'est malin ça! J'ai mal partout! C'est dégueulasse. Il faut prévenir la police, Oli. Bah, si tu veux, Stan. Mais moi, j'ai pas le numéro. Il faut aller les voir. Bah, on y va, alors. Il faut réveiller le gardien. Il faut prévenir la police. On l'a peut-être tué. Je ne sais pas si on l'a tué, mais il fait bien le mort. Il faut réveiller le gardien, Oli. Mais moi, je ne veux pas Oli. Je veux Oli. Hé, hey, debout, feignasse. Alors le gardien. Comment il va le monsieur? Oh, j'ai mal aux dents. Et tout ça? Tout ça pour une histoire de dentiste. Hé, hey, oh, on est là. Hein. Mais il est complètement noir. Dites-moi, mon brave. Ouais. Je peux quand même vous dire mon brave, même si vous êtes tombé dans les brumes. Mais vous êtes bien gardien. Tout à fait. Gardien. Ben, vous allez le garder, le vieux débris là, qui nous a fait tous les déboires qu'on a eus. Moi, maintenant, j'ai plus de dents saines, j'ai que des dents qui saignent. C'est presque pareil. Bon, vous savez quoi? Et on va aller chercher la police. Je suis l'homme de la situation. Ah, encore une fois. On ne sait pas quelle situation. C'est juste les circonstances. C'est une situation de quoi? De confinement ou de banqueroute? Bon, on va chercher la police. On y va. Allez, gardez-le bien, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il s'envole. Hein. Bon, faites vite, les gars. Hein. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent les deux là? En même temps, je suis l'homme de la situation. La police. Hein? On avait demandé la police. Ne cliquez pas. Allô? Qu'est-ce qu'ils branlent ces petits cons là? La police, ça met trop de temps. J'aurais dû l'enterrer moi. Hein? Oui, l'enterrer là. Ta mère qui vous a ordonné de m'enterrer. Attends. Ta gueule! Tu m'as énervé. Bon, les gars, je vais me battre, là, putain. Je m'en fous, moi aussi, je suis un bot, je suis un bandit. Finish him! K.O. Ah, c'est un des efficaces. Finish him! Allez!
dernière molaire, c'est la prochaine. Non. T'es prêt? Non. Un. Non. Deux. Non. Trois. On continue. Allez. Maintenant, on va faire avec l'écartement des doigts. Attends. T'es prêt? À l'écartement. Pour la poche. Non. Un. Non. Deux. Allez. Trois. Allez, vite. Et on continue. Maintenant, c'est avec les balles. Oh, quand même, quand je pense à ces abrutis du commissariat, ils ont même pas voulu nous croire. Pourtant, c'est plausible ce qu'on raconte. Un dentiste cinglé, c'est fréquent. C'est quand même extraordinaire. Tu vas arracher cette dent, je t'ai dit. Ah. À trois. Ah, je suis l'homme de la situation. Un, je m'en foutais l'homme de la situation. Tu as voulu m'assommer avec la cloche, je vais t'assommer avec mon poing dans la gueule. Je te dis, tu vas. Debout. Debout. J'ai pas fini avec tes dents. Tu retournes dans le lit. J'ai pas fini. Avec la racine maintenant. C'est j'ai pas fini. Pas d'idée d'avoir pas compris ton langage. C'est pas toi qui avais dit qu'il était l'homme de la situation. Hein? On va finir à coup de genou. Maintenant. Je suis l'homme de la situation. On va s'y voler vite. Ah ta mère l'enculé, c'est le deuxième. Oh putain! C'est ça l'homme situation. Le gars il chiale pour l'élan. On va finir. J'enlève mes vagues pour finir. C'est le gardien de la paix. C'est dit. C'est l'homme de votre situation. Vous avez craché la dernière dent. J'ai dit debout. Attends que j'ai fini de parler. Maintenant, c'est à votre tour. Madame. Vous attriplez. Vous arrachez, je le lâche. Non, je range mes affaires et je vous attaque. D'accord? Vous avez intérêt à courir. Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit. C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis. Quand l'un y va, l'autre le suit, nous ensemble toujours. Soyez toujours à l'homme de la situation. Finish him.